Vous allez bien ce matin? Amen. Et on vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence ce matin. Cette semaine, je préparais et puis suite à qu'est-ce qui s'est passé avec les annonces qu'on a eues, j'ai été obligé de changer de message. Et je pensais à Jude. Dans Jude 1, au 23e verset, ça dit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Ce matin, mon message était supposé d'être « Quelle bonne nouvelle! » Alléluia! Alléluia! Hein? Mais il dit « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une fois pour toutes. » Et je me sens obligé de changer de direction, évidemment, suite aux annonces gouvernementales. Et je réalise une chose, il n'est jamais possible de plaire à tout le monde. Hein? Après, je suis quand même jeune, 61 ans, mais après ce peu de nombre d'années-là, je commence à réaliser, c'est absolument impossible de plaire aux gens. On ne peut pas plaire dans tout ce qu'on fait, et souvent on ne plaît pas dans pas grand-chose. En bout de ligne. Dans Galates 1, Paul nous dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » Et ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que je cherche la faveur des hommes? Est-ce que je cherche l'approbation des hommes? Ou je cherche à plaire à Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Frères et sœurs, je crois que notre désir devrait toujours être la faveur de Dieu. Vraiment de chercher à plaire Dieu dans tout ce qu'on fait. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, vous et moi, en tant que disciples de Christ, il faut être mindé que c'est impossible de plaire à tout le monde. Jésus n'a pas été en mesure, le parfait n'a pas été en mesure de plaire à tout le monde. À un tel point qu'ils l'ont mis à la croix, comme étant un quoi? Un malfaiteur. Intéressant, n'est-ce pas? Il a été mis à la croix comme étant un malfaiteur, et de nos jours, ce qu'on est en train de vivre, souvent c'est rattaché à ça. Ceux qui refusent de prendre les consignes du gouvernement sont vus comme étant des malfaiteurs. Et on doit analyser ces choses-là pour voir, nous, en face du Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures de décrets et de menaces qui étaient défavorables. C'est pas la première fois que le peuple de Dieu a fait face à des méchant décret. Ce n'est pas la première fois, on en a parlé un petit peu vendredi quand on s'est rencontrés. Juste, on a parlé de certaines choses, et puis on parlait de, si vous voulez tourner avec moi, dans Deux Rois, on parlait de Nabuchodonosor qui avait, dans Daniel 3. c'est pas ce qu'on va aller dans Deux Rois, mais juste pour mentionner que dans Daniel 3, Nabuchodonosor avait fait une statue, on ne connaissait rien d'histoire, et puis c'était un décret qui était vraiment méchant, qui ordonnait aux hommes, et c'est là l'attention que je veux vous mentionner, c'est au chapitre 3, et puis au verset 4, ça dit « Un héros criant à haute voix, voici qu'on vous ordonne, voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme et toute langue. Voici ce qu'on vous ordonne. » C'est ça le décret. On vous ordonne de faire quelque chose.
Et parfois, je me demande si on aurait été dans ce temps-là, peut-être bien qu'on aurait pensé que les trois enfants, les trois Hébreux, ils étaient des radicales. Ils avaient simplement à plier le genou, et ce n'était pas de plier le genou continuellement, c'était de plier le genou une fois, devant la statue qu'il avait faite. C'est tout ce qu'il demandait. Parce que lorsque ça a été rapporté qu'il n'avait pas plié le genou, il dit, hey, en ce moment, si vous pliez le genou, on va tout oublier l'affaire. Bon, je vous demande juste de prier une fois. Et c'est ça le compromis, frères et sœurs. Quand le compromis entre, c'est très difficile par la suite de ne pas compromettre. Et les trois Hébreux ont dit, pour la part, ils n'ont même pas besoin de te répondre là-dessus. Hein? Notre idée est faite. On ne pliera pas devant un autre Dieu, devant une idole. Malgré qu'il connaissait la conséquence, n'est-ce pas? Parce qu'elle nous dit, si vous ne pliez pas, si vous ne courbez pas, si vous n'adorez pas la statue que j'ai faite, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il savait exactement c'était quoi la conséquence de ne pas courber, de ne pas adorer la statue. Donc, on n'a même pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu, que nous savons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils n'ont pas pris la décision parce qu'ils savaient que Dieu allait les délivrer. Ça, c'est une chose à noter. Ils n'ont pas pris la décision parce qu'ils savaient que Dieu allait divinement intervenir. Je lisais cette semaine, justement, dans Hébreux 11, on sait qu'il y a eu beaucoup de grandes délivrances. Hébreux 11, c'est un chapitre des héros de la foi. Mais on continue de lire et qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui sont décapitées, qui sont sciées en deux, qui meurent, mais ils sont... ils sont inscrits dans ces exemples de foi-là, même s'ils n'ont pas eu une grande délivrance comme d'autres non plus. La même chose avec Daniel. On voit un petit peu plus loin que Daniel, il y avait eu un autre décret, c'est Darius, que les hommes avaient incité de faire en sorte que personne ne prie. Il avait publié un édit royal, ça c'est dans Daniel 6. Et ça nous dit au verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Et ça, c'était le décret à laquelle le peuple de Dieu a eu à faire face. Et on connaît l'histoire. Parce qu'au verset 8, ça nous dit, « Maintenant, mon roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Il aurait dû connaître au moins Daniel, que Daniel n'avait jamais prié ça. Le caractère de Daniel avait dû témoigner à Darius. Il pensait de le faire le chef de ses satrapes, hein, de le mettre au-dessus de tous les autres. Il aurait dû dire non, 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 ça passe pas. Daniel, jamais que Daniel va faire ça. Mais tu touches à l'ego d'une personne, à l'orgueil d'une personne, et puis oh, tout d'un coup, oh, c'est juste pas une mauvaise idée. Et on voit que les décisions qui sont prises aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, où ce que l'orgueil de l'homme s'élève. Et les décisions qui sont prises, frères et sœurs, ce n'est pas pour le bien de la population. C'est l'orgueil d'hommes qui veulent dominer. On est en train de témoigner un coup d'État, mais c'est l'État qui fait un coup sur le peuple. Si on regarde à travers l'histoire, et c'est intéressant parce que l'histoire se répète tout le temps, mais il me semble qu'on apprend rarement de l'histoire. Et on est en train de témoigner ces choses-là, mais en même temps, on sait que c'est l'accomplissement. On est en train de voir des choses que le Seigneur nous a révélées à la fin des temps. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Ça nous dit au verset 10 que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'est quelque chose que le roi savait.
C'est quelque chose que le roi avait témoigné. C'est une chose que toutes les sétrapes qui étaient avec Daniel avaient témoigné. Daniel prit les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. C'était quelque chose qui était connu. C'est pour ça qu'on dit que la seule place qu'on peut l'avoir, c'est à travers sa dévotion envers Dieu. Mais il se retira dans sa maison, les fenêtres ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas commencé à faire ça, c'est quelque chose qu'il faisait auparavant. Fait qu'il est allé de l'avant et il a continué dans le décret de Dieu, d'adorer Dieu, de le prier et de se prosterner devant lui. Il y a une, je pense, il y a une très bonne leçon pour nous en ce moment de faire ce que ces hommes-là ont fait, c'est de se tourner à Dieu, de faire confiance à Dieu, de prier. Je pense que c'est important. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le décret gouvernemental qui a été passé? On a besoin de suivre ces exemples-là, de prier. Pas juste sentir des vrais messages de ah! Mais de prier, de vraiment chercher la face de Dieu. Mais comme je mentionnais, c'est pas la seule, c'est pas les, simplement des exemples comme ça, mais là, c'est pas la première fois que le peuple de Dieu passe à travers des décrets méchants et des menaces défavorables. J'ai mentionné dans 2 Rois, si vous voulez lire avec moi dans 2 Rois, on voit l'exemple d'Ézéchias dans 2 Rois 18. Dans 2 Rois 18, on trouve qu'Ézéchias est devenu roi, et puis c'est un roi qui marchait dans la droiture. C'est même élevé de la façon qu'on parle de lui dans les premiers versets. À partir de verset 3, ça nous dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé de l'idolâtrie. Il fit disparaître les hauts lieux, brisant les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient, jusqu'à l'embrue, des parfums devant lui. On l'appelait Nabuscan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, et c'est là qu'on spécifie, parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements de l'Éternel, que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui a réussi dans toutes ses entreprises. Même le roi d'Assyrie avait été utilisé par Dieu pour emmener Israël captif. Okay? Et un autre roi s'est élevé, le roi d'Assyrie, Sanchérib, et puis lui, Ézéchias, éventuellement, ça nous dit, s'est rebellé, et il a dit non, je ne veux pas être soumis à toi. Et puis, le roi Sanchérib, mais ça, Ézéchias avait fait ça avec l'autre roi qui avait, l'autre roi d'Assyrie qui avait assiégé Israël, la Samarie et puis tout l'ensemble d'Israël. Ézéchias s'était lui levé contre lui. Et plus tard, Sanchérib, le roi d'Israël, le roi d'Assyrie, est allé pour demander, monter contre toutes les villes de Juda et il s'en appara. Et ça nous dit au verset 14, Ézéchias, au roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachish, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Tout ce que tu m'as imposé, je vais le faire. Et le roi d'Assyrie a imposé justement Ézéchias. Il lui a imposé pratiquement ce qui serait la valeur d'aujourd'hui, quasiment de 1 milliard de dollars. Donc, c'était toute une imposition. Qu'est-ce que Ézéchias a fait?
il a voulu accommoder, et puis il a pris tout l'argent qui était dans la maison de Dieu, tout l'argent qui était dans la maison du roi, et il l'a donné au roi d'Assyrie. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs, quand on accommode et qu'on marche dans le compromis, c'est jamais assez. Il va toujours falloir céder plus. Parce que même lorsqu'il a fait ça, ça nous dit au verset 17, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké, avec une puissante armée. Et ils montaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont insulté Dieu. Ils ont menacé Ézéchias. Et puis, ils ont essayé de créer la crainte dans le peuple, n'est-ce pas? Et puis, ils l'ont accusé de mettre son appui sur l'Égypte, plutôt que mettre sa confiance en Dieu. Et plus tard, on dit, au verset 22, ça nous dit, « Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels? » Et là, il l'accuse de dire, « Regardez ce qu'il a fait. Il a enlevé les places d'adoration. Pensez-vous vraiment qu'il s'appuie sur l'Éternel? C'était au nom de l'Éternel que ces places-là existaient. » Mais c'est toujours d'essayer d'emmener un doute. Toujours essayer d'emmener une faille à travers laquelle il peut emmener les gens au découragement. Et après ça, il leur dit, « Hey, après tout, c'est l'Éternel qui m'envoie. C'est l'Éternel qui m'envoie pour monter contre Juda. Hein? » Parce qu'il veut faire un ménage dans Juda, comme il l'a fait avec Israël, qui a résisté au roi d'Assyrie. Pensez-vous, vous allez être en mesure de tenir debout. Hein? Et là, c'est là qu'il parle et insulte et parle grossièrement. Et ça nous dit au verset 29, « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de la main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Hein? » Que Dieu est capable d'agir, que Dieu va faire quelque chose. Non, écoutez pas Ézéchias, c'est ce qu'il dit au verset 31, « N'écoutez point Ézéchias. » Car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Encore une fois, c'est d'emmener les gens à vivre dans un compromis. Ça vous fait, tu penses à quelqu'un, quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament avec Moïse et Pharaon? Non, 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 non. OK, vous pouvez y aller juste les hommes. Oh, non, non, OK, vous pouvez y aller les hommes et puis le troupeau. Mais laissez les enfants, laissez les autres. Tout le temps, essayer de négocier, de compromettre. Hein? Parce que l'ennemi cherche à avoir une porte d'entrée. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas donner accès au diable. On lui donne une porte d'accès, frère et sœur, il fait du ravage. Il faut vraiment faire attention. Donc, il dit au peuple de ne pas écouter Ézéchias, mais de faire la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Ça me rappelle un petit peu de nos jours. Ça me rappelle, hey, écoutez, accordez-nous, là, on va vous imposer certaines choses, et en tant qu'Église, on a accommodé les masques, le lavage des mains, la distanciation, et toutes ces choses-là. Et puis les choses sont comme à la normale. Mais ça n'est pas à la normale. Et maintenant, c'est prenez les vaccins, prenez les vaccins. Et là, vous allez être capable d'aller au restaurant. Vous allez être capable d'aller jouer au quai. Vous allez être capable de faire telle chose. Prenez les vaccins. Hein? Ça va être comme avant. Vous allez être correct jusqu'à quand je vous amène. Vous voyez ce qu'il dit? Mais ça nous dit au verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi par le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son fils. Et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le pauvre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Pourquoi on nous impose toutes ces choses-là?
afin que vous ne mouriez point. C'est la même ligne de pensée, frère et soeur. C'est le même principe qui est à l'œuvre que l'on voit aujourd'hui. Exactement le même principe. Et lorsque Jésus est venu, frère et soeur, il est venu détruire justement la puissance de la mort, n'est-ce pas? À travers laquelle la crainte emmène les gens à demeurer dans la servitude. Et j'ai l'impression que l'esprit de l'ange, en ce moment, est justement est en train d'utiliser la crainte de la mort pour emmener les gens dans la servitude, dans la soumission. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est le même esprit qui est à l'œuvre. Le même esprit qui est à l'œuvre dans le jardin, frère et soeur, est à l'œuvre à travers les générations. Et maintenant, de plus en plus, on voit cet esprit-là qui est à l'œuvre et qui cherche des portes d'accès, des portes d'entrée, de nous emmener dans un compromis. Il y a des choses qu'on peut accommoder, comme on l'a fait jusqu'à date. Mais par contre, il y a des choses qui sont plus compliquées. Il voulait les emmener à se conformer. Et si vous vous conformez à nous, tout va bien aller. Hein? Avez-vous vu l'arc-en-ciel? Tout va bien aller. C'est exactement le même message qu'on est en train de voir. Hein? Ça nous dit, n'écoutez point donc Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Ézéchias pourrait vous séduire de mettre votre confiance en Dieu, comme s'il y a quelqu'un qui était capable de nous délivrer, quelqu'un qui était capable de les délivrer de notre main. Mais la réponse d'Ézéchias, je crois, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, c'est quelque chose également qu'on doit faire. Sa réponse au chapitre 19, au verset 1 et 2, ça dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et ça nous dit par la suite, au verset 2, il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, chef le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couvert de sacs vers Ésaïe le prophète. Voici ce que moi, pour ma part, je retiens de ça. Première des choses, c'est que Ézéchias s'est humilié. Il s'est humilié dans la repentance. Il a déchiré ses vêtements. Et il est allé dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, il est allé chercher l'Éternel. Donc, il est allé prier, il est allé chercher la face de Dieu. C'est vrai, tout ce qui se passe dans la Syrie. Et on a besoin d'une intervention de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé chercher la parole de Dieu. Il a envoyé quelqu'un vers Ésaïe, le prophète, celui qui connaissait, qui parlait au nom de l'Éternel et que sa parole venait au passé. Il avait besoin d'entendre une parole qui venait de Dieu. Frères et sœurs, je crois qu'on doit prendre ces exemples-là et nous-mêmes, nous humilier, nous repentir. La parole de Dieu nous dit de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Autant qu'on a, il va vous élever. Il va vous relever. On a besoin de s'humilier. Que ce soit dans la repentance, parce qu'on sait qu'il y a des choses. Ou simplement s'humilier, c'est-à-dire, Dieu, on a besoin de toi. De prier, d'être dans la maison de l'Éternel pour invoquer son nom. Et on a besoin, frère et soeur, d'une parole qui vient. Et Ésaïe lui a donné une parole. Verset 5, ça nous dit, le serviteur du roi d'Ézéchias, dans 2 rois 19, ça dit, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre mère, ainsi parle l'Éternel, ne défais point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Et là, il dit ce qu'il va faire, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Juste une nouvelle qu'il a reçue. Dieu n'a pas intervenu avec quelque chose de super naturel. Il a entendu une nouvelle et il dit, je vais
Il va y avoir un esprit qui aime que tu renouvelles, tu les recevras et le retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et la nouvelle est arrivée et le roi est touché de tourner le bord. Et lorsqu'on regarde plus loin, 185 000 personnes sont mortes. Parce que l'Éternel est intervenu. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que le roi, avant de partir, parce qu'il y a eu cette nouvelle-là, avant de partir, il a envoyé une lettre encore une fois à Ézéchias. Et ça nous dit au verset 10, si vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre tes mains de ce roi d'Assyrie. Et là, il décrit les choses de les autres nations. Mais ça nous dit au verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta encore une fois à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa sa prière. Et il l'enseignait à prier. Il a confirmé que c'était vrai parce que ce qui était écrit, il y avait des choses qui étaient vraies. Ça nous dit dans cette 17, il dit, il est vrai, éternel, que les rois de Syrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib. Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. Et c'est là qu'Ésaïe donne une autre parole. Mais le point, frère et soeur, qu'on doit apprendre, c'est que nous, maintenant, en ce moment, ce qu'on doit faire, c'est de déployer devant l'Éternel le décret gouvernemental qui a été mis en effet. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que le conseil de Dieu nous dit? Ici, on voit des exemples d'hommes qui ont vécu des situations qui étaient menaçantes, qui étaient défavorables et qui étaient vraiment mal, méchants. C'était dans le but de détruire. Et, mais le conseil de Dieu, qu'est-ce que le conseil de Dieu nous dit? Ça nous dit d'être soumis aux autorités, n'est-ce pas? Et je sais que chacun de nous, c'est notre désir d'obéir à ce que Dieu dit. Mais regardons ensemble dans 1 Pierre. Il y a deux passages dans les Écritures où ça parle directement d'être soumis aux autorités. On va regarder brièvement ces passages-là. Parce qu'on ne veut surtout pas être en rébellion. On veut se soumettre aux autorités. C'est-à-dire dans 1 Pierre 2, au chapitre 2, au verset 30, c'est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établi parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc ici, on apprend, même si on regarde au verset 12, il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est la première chose par rapport à la soumission aux autorités, c'est qu'on doit le faire, parce qu'on doit avoir une bonne conduite. Le Seigneur nous appelle à avoir une bonne conduite. Et même s'il nous calomnie comme étant des malfaiteurs. Et c'est intéressant que Pierre fait référence à ça trois fois dans son épître concernant le fait que les autorités sont là pour punir les malfaiteurs. C'est pour ça qu'ils ont été établis. Si on regarde le chapitre 3, il en fait encore référence. Il dit au verset 13, il dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur
et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. J'ai une espérance frère et sœur en moi que Dieu prend soin de moi. J'ai pas besoin d'être forcé de prendre quelque chose qui n'est pas nécessaire. Jésus a dit que c'est les malades qui ont besoin d'un physicien, besoin d'un médecin, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas besoin. J'ai cette espérance-là. Et je prie qu'à travers tout ça, ça va nous donner des raisons. Ça va nous donner l'opportunité de donner raison de l'espérance qui est en nous. Et ayant une bonne conscience, j'espère que chacune de nos consciences sont claires, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ma conscience me rend témoignage. Je ne suis pas un malfaiteur. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le mal, n'est-ce pas? Parce que je refuse d'avoir un vaccin. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, quand ici, les encourages, il faut demeurer dans le bien. Il faut continuer de marcher dans le bien. On ne doit pas être accusé d'être des malfaiteurs. On va être calomnié comme étant des malfaiteurs, mais on ne doit pas témoigner, on ne doit pas marcher de manière qui aurait raison de dire qu'on est des gens qui agissent mal. Donc, on ne brise pas une loi pour essayer de se justifier de quelque chose. On ne fait pas le mal pour essayer de se justifier. Simplement qu'on demeure ferme dans l'espérance que le Seigneur nous donne. Les autorités, après tout, ont le mandat de punir les malfaiteurs. Pierre a subi la calomnie, souffrant comme étant un malfaiteur. Fait que Pierre connaît, c'est quoi des parlements où est-ce que tu ne peux pas te plier aux demandes des autorités. On voit ces exemples-là à maintes reprises dans le livre des Actes des Apôtres, si vous tournez avec moi au 4e chapitre. On connaît très bien ce qui s'est passé, mais juste comme manière de réviser ça. Lorsque Paul écrit ces choses-là, frère et sœur, il avait déjà vécu lui-même d'être calomnié et accusé d'être un malfaiteur. Pour quelle raison? Parce qu'après avoir guéri quelqu'un et après avoir témoigné du nom du Seigneur Jésus, et les autorités qui étaient en place, au chapitre 4, verset 17, il dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce monde-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent lâcher. On sait que ça n'a pas arrêté Pierre et Jean de continuer de prêcher l'Évangile. Au chapitre 5, on voit à partir du verset 17 que les souverains sacrificateurs, parce qu'il se passait tellement de belles choses, des guérisons à travers les mains des apôtres, mais ça nous dit que les souverains sacrificateurs, et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison, dans la prison publique. Il y avait cette autorité-là. Parce qu'il y a des gens qui disent parfois, « Ah, mais ça, c'était des autorités religieuses. » Frère, dans la communauté juive, l'autorité religieuse était l'autorité principale. Il avait la puissance de mettre des personnes en prison. Et ils l'ont fait avec Pierre. Mais une autre chose qu'on réalise également, lorsque Jésus a guéri un aveugle né, okay, il a complètement guéri. L'aveugle né a donné témoignage de ce qui s'était passé. Le Sanhédrin n'a pas cru que cet homme-là était né aveugle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les parents. Et qu'est-ce que les parents ont fait? Et on dit, il est d'âge, il est capable de répondre à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il craignait d'être mis dehors parce que les chefs avaient dit, quiconque dit que Jésus est Christ,
il est exclu de la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était exclu complètement de la vie, de la communauté. C'était leur vie autour de la synagogue, du temple, c'était leur vie. C'était comme étant exclu de la communauté. Est-ce que ça nous rappelle de quelque chose aujourd'hui? Si quelqu'un n'est pas vacciné, on devient exclu de la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est quelque chose. Donc, l'autorité que Pierre ici refuse d'obéir parce qu'il désire obéir à Dieu, lorsqu'il parle dans son épître d'être soumis aux autorités, il ne parle pas d'être soumis aux autorités lorsque ces autorités-là sont à l'encontre de la parole de Dieu. On va regarder ça juste un petit peu plus tard. Mais regardez ici ce que ça dit. Ils ont été mis en prison, et puis un ange vient et sort. Qu'est-ce qu'il leur dit? Souvenez-vous, ils ont été sévèrement dit, on ne veut plus vous parler au nom de Jésus. Mais l'ange leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, au verset 20, acte 5. Tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Exactement le contraire de ce que les autorités leur avaient dit de faire. Exactement le contraire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont allés pour aller chercher Pierre et Jean dans la prison, ils n'étaient plus là. Les gens se demandaient, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, ils n'étaient plus dans la prison. Ils sont tous dans la prison. Et pendant ce temps-là, ils se demandaient qu'est-ce qui allait arriver suite à cette affaire. Au verset 25, ça nous dit, « Quelqu'un vient leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et enseignent le peuple. » Ils sont en complètement désobéissance des mesures que vous leur avez données. C'est exactement ça. Hein? Et Pierre leur répondit, hein, au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On n'a pas le choix. Dieu est adopté suprême. Au verset 33, ça nous dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Oh! Ça devient un peu plus sérieux, mais ce n'est pas juste des menaces. Maintenant, ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, c'est de les mettre à mort. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, et c'est là, frères et sœurs, qu'on voit l'intervention de Dieu. Dieu s'est servi de Gamaliel. Celui dont Paul est passé à ses pieds, il se sert de lui pour emmener une délivrance à son peuple. Il se sert d'un ennemi pour les libérer. Dieu est capable de servir de quiconque, n'est-ce pas? Le nom dit de prendre garde, de faire attention. Au verset 40, ça nous dit, ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de partager au nom du Seigneur Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Et ça, c'est comme être devant le juge et toute la gang. La Cour suprême. Ils sortent de là, ils ont été battus. Ils sortent de là, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des suffrages pour le nom de Jésus. Et ça nous dit que. Ils ont été battus de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et qu'est-ce que ça nous dit au verset 42? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à chaque jour, leur vie était menacée. Ce n'était pas nécessairement juste la cachette qu'ils faisaient. Ils allaient dans le temple. Et ils parlaient. Sachant fort bien qu'en faisant ça, ils étaient à l'encontre du décret qui leur avait été donné. Maintenant, Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, 17, il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc, il parle des autorités civiles également, n'est-ce pas? Honorez le roi. Tu l'as avec moi, mais l'as avec moi dans Romains 13. Dans Romains 13, les 7 premiers versets nous parlent justement d'être soumis aux autorités. On va prendre le temps de lire et de faire une couple de commentaires.
on sait qu'une chose, c'est instituée de Dieu, n'est-ce pas? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Deux choses ici, je crois qu'il est nécessaire qu'on retienne. Les autorités sont instituées de Dieu. C'est l'ordre que Dieu a établi pour le fonctionnement de la société, de la communauté. Et la seule raison qu'on a à redouter cette autorité-là, c'est ça qui est le mal. Nous disons de cette fois, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et c'est pour ça qu'on doit être soumis. Mes frères et sœurs, on n'a rien à craindre si on ne fait rien de mal. Ce n'est pas d'être insoumis si nous marchons dans le bien et qu'on a une bonne, un bon témoignage. Comme Pierre le dit dans son épître, d'avoir une bonne conduite. On n'a rien à craindre. On n'a pas à craindre les autorités. Si ça devient une menace, malgré qu'on n'a pas fait le mal, il y a quelque chose qui doit être considéré, qui doit être mis en lumière. La parole de Dieu nous dit ici au verset 4, ce sont des serviteurs de Dieu. Étant serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Et ça nous dit également au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Donc, les serviteurs sont des ministres de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler qu'un serviteur est un ministre de Dieu. La base sur laquelle leur autorité est fondée est sur la loi et les ordonnances de Dieu. En tant que serviteur de Dieu. C'est la base sur laquelle ils doivent être fondés. Et laissez-moi vous dire que vous et moi, plus souvent qu'on le pense, nous sommes souvent insoumis aux autorités. Pas mal plus souvent qu'on le pense. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 6. En commençant à lire au verset 9, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on n'approuve pas le fait qu'un homme et une femme vivent ensemble sans être mariés, on n'approuve pas la fornication. On est à l'encontre, on est insoumis aux règles du gouvernement qui existe en ce moment. Lorsque vous et moi n'approuvons pas le mariage entre deux hommes ou deux femmes, ou qu'on n'approuve pas l'homosexualité, point à la ligne, nous sommes insoumis aux consignes de notre gouvernement. Lorsque vous et moi refusons de croire qu'il y a plus que deux genres et qu'on rejette le transgenre, nous sommes insoumis à notre gouvernement et nous risquons les menaces qui s'en suivent. On est beaucoup plus souvent insoumis en ce moment aux autorités que nous le sommes. Pourquoi? Parce que les autorités, frères et sœurs, comme les vignerons, la parabole des vignerons que Jésus a donnée, on dit, on ne veut pas que cet homme-là règne sous nous autres. Ou maintenant, la charge qu'ils avaient reçue, on dit, non, on veut s'emparer du royaume, on veut hériter le royaume, on prend ça en charge entre nos mains.
Et si vous retournez avec moi dans, je pense que c'est dans Matthieu 21, cette parabole-là. Parce qu'il y a quelque chose qui ressemble. Et ça nous dit ici, justement, c'est la parabole des vignerons ici, qui ont reçu la charge de prendre soin de la vigne et tout ça. Et puis, le maître de la vigne a envoyé des serviteurs, justement, pour recevoir la récolte. Et ça nous dit, verset 35, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et l'habitèrent le troisième. La charge qu'ils avaient reçue, ils l'avaient abusée. Okay? Et lorsqu'ils ont vu le fils, ils disent, voici l'héritier, verset 38, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent dehors, hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent qu'il fera périr misérablement cet misérable, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps des récoltes. Et là, Jésus leur dit, ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Hein? Et au verset 43, il est vraiment clair, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Mais le principe est le même, frère et soeur. Nos gouvernements ont une responsabilité en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ministres de Dieu, et en ce moment, ils font exactement le contraire dans tout. Lorsque tu mets un drapeau de l'arc-en-ciel sur le Parlement, frère et soeur, nous sommes en jugement. Et les rois, nos premiers ministres vont subir la peine de ce jugement. Ça nous dit, au verset 44, celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu cette parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Il n'a pas essayé de camoufler quelque chose. Il leur a dit quelque chose pour qu'ils comprennent que c'est d'eux qu'il parlait. Souvent, j'ai été accusé par certaines personnes à dire « Ah, il a prêché ça pour moi. » Parce que, à cause de ça, qu'est-ce qu'il connaissait? Ça n'a souvent aucun rapport. Mais si ça avait rapport, Jésus l'a fait. Il a parlé de manière afin qu'il sache que ça s'adresse à vous autres. Donc, si le maître le fait, de temps en temps, si on le fait, pour amener un point principal. Et en ce moment, je crois que l'Église est en face d'une situation, frères et sœurs, qu'on a vraiment besoin de considérer l'enjeu. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche un CCSL de lui. On essaie de le mettre en ordre, encore une fois. En ce moment, les lois qui vont être passées concernant la thérapie de conversion, frères et sœurs, si nous prêchons l'Évangile, que les hommes peuvent être convertis et se convertissent de l'homosexualité ou de la transgenre, ou de ces choses-là, on pourrait être poursuivi. Si cette personne-là, pourtant, décide non, ou ses parents décident non. Imaginez-vous maintenant, les lois sont passées telles que les parents ne peuvent rien faire pour leurs enfants, qu'ils sont confus dans leur identité. Et le parent n'a pas le droit, il peut être mis à la prison. En prison! S'il essaie d'intervenir, est-ce qu'on est soumis à ça? Absolument pas. Si j'avais des jeunes enfants qui avaient un problème avec le transgenre, frère et soeur, vous pouvez être certain que j'y enseignerais concernant que ce n'est pas de Dieu et que ce n'est pas même une considération. Je serai en désobéissance aux autorités. Je fais preuve d'insoumission. Maintenant, considérons ensemble le décret gouvernemental. Merci pour votre patience. Le décret en ce moment, c'est que ça prendrait un passeport vaccinal. Les gens puissent entrer dans l'Assemblée.
C'est un décret qui contredit complètement la parole de Dieu. Jusqu'à temps, je crois que l'Église en général a accommodé le gouvernement avec les différentes mesures. Mais là, ce qu'il demande, c'est de contredire, c'est de renier l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ont franchi, selon moi, selon ce que je vois dans les Écritures, ils ont franchi une ligne. Où ils ils prennent le dessus. Ils dépassent les limites. Ils prennent le dessus sur l'Église. Et la parole de Dieu est claire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, on est considéré que ceux qui n'ont pas les vaccins, qui n'ont pas le passeport vaccinal, font le mal, et ceux qui l'ont font le bien. Mais ce sont des choses, ceux qui appellent les ténèbres lumière, et qui appellent la lumière les ténèbres, c'est condamné dans les Écritures. Et je dis ça vient la cour de la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Jacques. Un enseignement qui est très clair. Le frère du Seigneur nous en fait part. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2. Jean. Mes frères, au verset 1, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute exception de personne. Dans ma version, ça dit, soit exempte de tout favoritisme. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de favoriser ceux qui ont la passe vaccinale et de défavoriser ceux qui ne l'ont pas. Pouvez-vous vous imaginer Jésus? Jésus, les gens viennent de moi. L'Église, dans le temps du Seigneur, frères et sœurs, étant autour de lui continuellement. Ça, c'était l'Église. Moi, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. C'est qui? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il démontre que c'est ceux qui étaient avec lui, là, qui étaient assemblés avec lui. Pouvez-vous vous imaginer Jésus dire, les gouvernements ont dit, mais maintenant ça va prendre une passe vaccinale. Désolé, vous ne pouvez pas être ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, ferait une telle chose? Que le Sauveur du monde ferait une telle chose? Et regarde, on va continuer à lire. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vers vos regards, vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Toi, tu as le passeport vaccinal, tu peux rentrer. Toi, tiens-toi là, debout, ou bien... Faut le camp parce que t'as pas le passeport vaccin. Toi, si tu vas au-dessous de mon marchepied, au verset 4, il dit, ne faites pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Frère, ça, ce décret-là force l'Église à être des juges aux pensées mauvaises. C'est complètement à l'encontre de l'enseignement de notre Seigneur. Et regardez jusqu'à quel point qu'il pousse le point. Au verset 8, il dit, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. » Le gouvernement est en train de nous forcer de transgresser la parole de Dieu. À date, les mesures qui nous ont été forcées, c'est quelque chose qu'on pouvait essayer de s'arranger avec. Mais maintenant, on ne peut pas s'arranger avec ça. C'est une demande de transgresser la parole de Dieu. On ne peut pas marcher
avec ça. Si on, des mondes du favoritisme, on pêche, c'est une action qui est répréhensible. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, allez moi dans Galates. Dans Galates, Pierre a été sujet à ça. Et savez-vous quoi? C'est une action répréhensible aux yeux de Dieu que d'agir de cette façon-là. La façon qu'il nous demande d'agir, c'est répréhensible aux yeux de Dieu. Ça nous dit au verset 11 du deuxième chapitre dans Galates. Mais lorsque Séphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Il était coupable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est hypocrite de dire, toi t'as une passe, rentre. Toi t'as pas de passe, arrange-toi. C'est répréhensible, c'est de l'hypocrisie. Au verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses pères en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Frères et sœurs, Paul le reprit, pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité. Et les gouvernements en ce moment, ce décret-là en particulier, nous demande de ne pas marcher droitement selon l'Évangile. On a simplement à prendre l'exemple de notre Seigneur. Allez avec moi dans Marc. Marc 10. On achève. Je sais que c'est un peu long terme. Non, vous êtes habitués de cette façon. Marc 10. Ça nous dit au verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut quoi? Indigné. Pensez-vous que le Seigneur n'est pas indigné en ce moment? De dire, l'Église va être soumise à un passeport vaccinal et ceux qui ne l'ont pas, ne peuvent pas rentrer. Je crois que le Seigneur est non seulement indigné, mais il est furieux de ce qui est en train de se passer. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je veux le dire en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Notre Seigneur, ça nous voit, frère et sœur, est un Seigneur gracieux, compatissant. Il sait ce qu'on a besoin. Il sait quand on a besoin d'être dans ses bras, de l'avoir de sa part. L'affection qu'on a besoin. Mais il était indigné du fait qu'il l'empêchait de ça. Et ça, c'était ses propres disciples. Je crois que si on se soumet au conseil, au décret du gouvernement, ça va être, aux yeux du Seigneur, une indignation. On ne peut pas se soumettre à un tel décret. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais si on dit maintenant, le gouvernement nous dit, non, vous mettez dehors ceux qui n'ont pas de passeport vaccinal. Jésus dit, moi, je ne veux pas personne vienne. Personne vienne, moi, je le mets dehors. Même Jésus, à même reprise, invite les gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Même
l'avons sur la croix à côté de lui. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu vas rentrer dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Et c'est intéressant parce que le Seigneur avait dit, lorsque je serai lorsque je serai élu, j'attirerai tous les hommes à moi. Et on le voit témoigner directement là, à la croix. Il est élevé et le larron est attiré. Et le Seigneur va dire, ah, mais là, t'as manqué ton coup. Ça, c'est pour les autres. Non, non, non. Mais aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Celui qui vient à lui, il dit, je ne mets pas dans. Frère, et ça, on t'amène avec ça. On a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. On a besoin d'entendre le décret de Dieu. Voici ce que Dieu a décrété. OK? Si vous voulez bien tourner avec moi dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, pour nous donner un contexte, on va partir, on va lire à partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ. Qu'est-ce qu'il a déployé? La grandeur de sa puissance. C'est ce qu'il parle. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Est-ce que Jésus est au-dessus du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de M. Legault et de M. Trudeau, et de quiconque dans ce monde? Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent. Et il veut qu'on le sache, ça s'adresse à nous autres aujourd'hui encore. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, comment? Pour chef suprême à l'Église. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, non pas les gouvernements. Ils n'ont pas cette autorité, frères et sœurs. Et nous ne sommes pas en désobéissance lorsqu'on refuse de se soumettre à ce type de décret. Pourquoi? Parce que le chef suprême de l'Église, c'est Jésus, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères et sœurs, l'Église est sur la terre pour être un témoignage de Jésus-Christ. C'est ici, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Comment est-ce que l'amour de Dieu, l'amour fraternel, comment est-ce que ça fonctionne entre nous? Comment la collaboration? On peut juste regarder au chapitre 4. Regardez ce que ça dit. Au chapitre 4, ils viennent justement de parler des dons que Dieu donne, la grâce qu'il donne, la mesure du don de Christ. Et ça nous dit au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » C'est ça l'Église. C'est que Christ est au milieu de l'Église et c'est lui qui donne à travers les dons qu'il donne et qui lie les gens ensemble pour être un témoignage de Christ. Et nous sommes édifiés par le fait même dans l'amour. Christ est le chef suprême. Allons dans deux. Colossiens 2. C'est ce que Dieu a décrété, il est le chef, il l'a donné comme chef suprême de l'Église. Regardez dans Colossiens 2. Verset 9, ça nous dit qu'avant lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Aucun questionnement, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Dieu avec nous.
Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ça, c'est quelque chose qui était établi dans la pensée de Paul. Jésus est le chef. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Le décret qui vient de contredire ou à l'encontre de la parole de Dieu, frères et sœurs, Jésus trouve le soupçon. Il est également dans le premier chapitre de Colossiens, ça nous dit, à partir du verset 17, on peut lire du premier chapitre de Colossiens. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Frères et sœurs, je crois qu'il est important que Jésus-Christ soit le premier. Pourquoi? Parce qu'il est le chef suprême. Il est la tête du corps de l'Église. Vous savez quoi? C'est la tête qui donne les ordres. C'est la tête qui mène le corps. Je crois qu'on doit être soumis à ça, à lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, le décret est en place. Nous avons beaucoup à prier de quelle façon on va procéder. C'est certain qu'il y a des risques associés avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais je veux simplement, j'ai écouté un petit reportage hier à propos de ce qui se passe en Europe. Et on sait ce qui se passe en Europe, éventuellement, ça vient aussi au Québec, au Canada. C'est immanquable. Ça peut être n'importe quelques semaines, mais c'est qu'est-ce que ça mentionnait, qu'est-ce que ça a mentionné et ce qui a attiré mon attention, c'est que cette dame-là qui était dans le Parlement, qui parlait, posait des questions, ces choses-là, elle a mentionné une chose qui dit, le passeport vaccinal est ici pour rester. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, par exemple. Là, maintenant, Dieu est capable de renverser le fait qu'il l'impose à l'Église. Mais le passeport vaccinal, ils n'ont pas investi des centaines de milliers de millions de dollars sur un QR pour dire « Ah! On respond! » Non. Savez-vous qu'avec le QR, ils savent exactement beaucoup plus qu'avec un GPS ou si nous sommes. Si une personne est, qu'est-ce qu'ils font? À toutes les fois qu'ils scannent, ils savent tout. Et cette dame-là a fait référence que des bienfaits de l'identité électronique qui est à venir, que ce soit une puce, que ce soit un tatou, que ce soit n'importe quoi. Elle a dit ça va être en permanence comme le passeport vaccinal l'est. Donc on peut quasiment avoir un lien. Et c'est pour ça qu'à moins que Dieu renverse le décret que le gouvernement en ce moment. Mais ça fait déjà 4 mois pratiquement, frère et sœur, que les personnes ne peuvent pas aller au restaurant sans avoir un QR. Ils ne peuvent pas aller au gym sans avoir un QR. Ils ne peuvent pas aller jouer une game de bowling sans avoir un QR. Ça fait déjà quasiment 4 mois. Et cette dame-là, elle t'a dit, c'est là pour rester. Et de plus en plus, ils prennent de plus en plus de vaccins pour garder ton passeport vaccinal à temps. Ça ne me touche pas nécessairement, gravement, de ne pas être capable d'aller jouer au bowling, de ne pas être capable d'aller au restaurant. Mais de ne pas être en mesure de se rassembler ensemble, frères et sœurs. Le gouvernement qui touche à l'Église de Jésus-Christ est en jugement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je pensais justement, je mentionnais ça à mon épouse. Paul a utilisé le fait qu'il était citoyen romain pour éviter bien les choses. Il a évité d'être battu le fait qu'il était citoyen romain. Et je me disais, OK, Seigneur, nous sommes citoyens du Québec. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Peut-être. Comme Paul l'a fait, l'exemple de Paul qui a utilisé sa citoyenneté. Je dis Stéphanie, dans Acte 14,
Ça vient à l'esprit, comment, justement, comment est-ce que Paul, même je pense que Paul a utilisé ça, justement dans le but d'aider l'Église à long terme. Parce qu'il a utilisé le fait qu'il était romain citoyen. Lorsqu'il était en prison, c'est 16, excusez. Parce que Paul et Silas ont été relâchés. Et c'est nous autres, verset 35, quand il fit jour, les prêteurs envoyant les lecteurs pour dire au gaulier, relâche ces hommes. Et le gaulier annonçant la chose à Paul, c'est excitant. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Paul a utilisé sa citoyenneté romaine pour refuser d'être libéré de cette manière. Il leur dit, il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Le lecteur rapportant ces paroles au prétend qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu, ils ont été les frères et partir. Et je crois la raison pour laquelle Paul a fait ça, parce qu'il aurait pu les libérer, dire, oh. Mais il a fait ça pour la cause de l'Église. Et même pour les gens qui avaient persécuté Paul, de ne pas être si prêts, si prompts à vouloir persécuter l'Église, parce qu'ils ne connaissent pas ceux qui sont là, comme étant membres, ils peuvent se ramasser dans le trouble s'ils font ces choses-là. Et je crois que Paul a agi avec sagesse. Maintenant, ce qu'on demande à Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il nous donne la sagesse. On a besoin d'étendre le décret devant le Seigneur. Pourquoi? Comment est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas pleinement. Mais je peux vous dire une chose, je vais être ici la semaine prochaine, je ne vais pas prêcher. On n'aura pas le QR à la porte. Les gens se présentent, ne se présentent pas. On verra. En tout cas, c'est certain qu'on va continuer à proclamer la parole de Dieu. Et puis on n'imposera jamais le QR. Parce que c'était complètement à l'encontre de Dieu. Et je crois que ce serait une intimité aux yeux du Seigneur d'agir de cette manière. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et terminer ensemble? On vous demande encore la prière également pour savoir que le Seigneur dirige. Et ce n'est pas au-delà du Seigneur de renverser ce décret-là complètement. Je sais que notre Dieu est puissant. Il est au-dessus de toute autorité.